Yves Gilbert a écrit des choses magnifiques avec toi, le voilà ici, oui, oui. Avec Marcel Gobineau. Et Alice, évidemment Alice Donna. Oui. On va écouter des extraits de trois chansons d'Alice Donna, La chanteuse à 20 ans, qui est une chanson qui a fait le tour du monde, je crois même elle a été popularisée par Shirley MacLaine. Oui, il y a qui était dans l'émission avec mon fils d'ailleurs. Ah oui, il y a La vie Lila et L'enfant d'un autre. On regarde tout ça. Elle arrive à 8 heures, personne n'est encore là. Elle ferme à double tour sa loge et la voilà qui d'un air attendri sourit à son miroir. Ça fait bientôt longtemps qu'elle fait ça tous les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ça n'était plus le sien. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les fossiles, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. C'est la vie, Lila, faite de métamorphoses. C'est la vie, Lila. Quand il me manque quelque chose dans cette vie-là où tu n'es pas là, et que pour être moins triste, je détaille la peinture de l'artiste. Les enfants des voisins, on les trouve stupides, ils ne servent à nos yeux qu'à faire pousser des rides. Mais lorsque par hasard on en a un qui est là, qui a les yeux noirs de sa mère, on l'aime malgré soi. Et l'absence est venue peser sur ma détresse, dans la chambre déserte où manquent ses jouets. Rien ne le remplacera, ni mes futures maîtresses, ni mon travail, ni le beau temps. Je suis démuni comme un père vient de perdre son enfant, et je suis malheureux. C'est toute cette époque magique qu'on a eu, 10 ans magiques avec Alice. Et Yves Gilbert, ça a été tout constant, mais pas aussi fort. Alice a été forte pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'elle a apporté à ce que j'étais de la force. C'était le mec, Alice. Alice, elle était costaud, elle donnait dans ses notes quelque chose qui m'était nécessaire. Elle m'a apporté ça. Je suis malade. Quand même, elle m'a apporté la musique de Je suis malade. C'est pas rien non plus. Hein. Alors, les femmes que tu as croisées dans ta vie qui ont compté, il y a Barbara qui t'avait dit, il faut que Serge comprenne qu'il doit vivre d'abord et chanter ensuite, et non pas le contraire. Oui, oui, oui. Barbara. Elle avait dit ça à une copine. Michel, ça. Ta femme, la mère de Frédéric. Oui, voilà. Femme formidable. Liliane Benelli, évidemment, pianiste de Barbara. Ma première fulgurance amoureuse qui s'est achevée tragiquement le 12 août 65. Et oui. puis Luana. On va parler de Luana. Voilà, oui, Luana, c'est mon soleil de tous les jours. C'est grâce à Luana que je suis si brillant. Elle est en coulisses. Et tu dis, c'est la première femme que je mérite. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que l'homme que je suis est arrivé à maturité, il a mis du temps. Et maintenant, je mérite une femme de la cabine de Luana. C'est pas rien, Luana. Elle a bien joué au tennis. Et elle pratique le karaté ceinture noire. Quand oui. Elle m'a dit ça, je ne l'ai pas approchée dans la loge tout à l'heure. Oui, oui, mais t'as raison. T'as raison, elle est redoutable. Non, mais c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un qui, qui, qui,
qui pense à tout avant que tu l'aies pensé, qui voit le cheveu que personne ne voit, qui voit le tout, elle voit tout. Puis je pense qu'elle m'aime surtout, et que c'est cet amour-là, cette fusion de ces deux amours qui sont deux soleils pour la vie d'un homme de mon âge. Et malheureusement, pour elle, qui est très jeune, c'est un soleil qui peut faire du mal, je pense, le jour où. Alors c'est ça le problème, c'est mon problème. Le plus tard possible. Que j'ai eu. Alors Alice, Nana, Marie-Paul Bell, évidemment. Ah, Marie-Paul Bell. On va revoir tout ça en chanson et en image. On devient un immigrant quand on quitte le pays, le village ou le lieu-dit, la banlieue. Quand notre jardin d'enfant devient un jardin public, surveillé par un vieux flic soupçonneux. On devient un immigrant quand on arrive à Paris sans bagage, qu'on lui crie à nous deux. On devient un immigrant. Qui s'achète, qui se loue, qui se vend. 6 000 arrêts, 6 soldes au phare, 6 000 arrêts, 6 000 arrêts, 6 soldes au phare. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi, cette petite cantate qui monte vers toi. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi, cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. 6 000 arrêts, 6 000 arrêts. 6 soldes au phare. Celui qui ne m'a pas parlé d'amour. Anniversaire, mon Serge. À très très bientôt. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Je t'embrasse. Marie-Paul. Ah, Marie-Paul. Dimanche prochain, elle sera là. Amanda Lear, que notre invitée, elle a invité, parce que Amanda Lear adore Marie-Paul Bell. Elle n'est pas la seule. Ouais, elle est extraordinaire. Moi, je la regardais chanter tous les soirs. Avec lui. Quand elle chantait en 75 avec moi, je regardais, je regardais comment elle faisait. C'est parce que c'est cette minutie des mots que Manet Joris ou Chrysolia lui écrivaient, et la minutie de l'interprétation qui met les points sur les i sans trop les mettre. C'est-à-dire qu'elle n'appuie jamais rien, Marie-Paul. Tout est en nuance, tout est merveilleux, tout est... Enfin, moi, je l'adore, c'est sublime. Et en plus, avant, j'ai eu Nana Mouskouri, qui... Nana, je l'aime, mais je l'aime comme un mec aime une femme. J'aime Nana, j'ai toujours aimé Nana. Je suis fou de Nana depuis toujours. Quoi. Voilà ce que tu as écrit sur Nana. Nana est une épée de Tolède. Dans le cristal de Bohème, elle a l'élégance rouge du deuil, et c'est pour cette femme mythique que j'ai écrit. Voilà. On embrasse Nana qui nous regarde souvent.